Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. On se retrouve pour la suite du 100 Baby Challenge. Comme vous le constaterez, le frère est revenu. Il vient souvent quand même. Dernier épisode, il venait très très souvent. Il est venu au moins 2 ou 3 fois. On a pu aussi dire au revoir à Brent hein, qui avait squatté pendant presque tout le dernier épisode. Et là on se retrouve avec une famille où c'est pas trop le dawa. Ça se passe bien et ça arrive pas souvent quand même. Ça arrive pas souvent donc... Voilà, et on va profiter de ce calme pour essayer bah, que ça continue à être calme. Ce qu'on va faire déjà, c'est que elle... non, bah tiens, toi. Bah tu vas inviter ton frère à rentrer. Parce que bah on l'aime bien finalement hein, quand même. Vendre un collectionneur, mais c'est pas possible. Qualité normale. Ah mais non, mais vendre un... En fait, je m'excite, mais c'est normal en fait, vendre un collectionneur. Je m'excite toute seule. Je me suis excitée toute seule au dernier épisode alors. Elle va prendre une douche et va dormir. Bah tiens, va nettoyer ça. Et va dormir. Voilà. Bon. Ah, ok, elle était là l'assiette que je cherchais au dernier épisode. J'étais en mode, mais où est-ce qu'elle a mis l'assiette? Mais en fait, elle était là, mais bon, une assiette blanche sur un truc blanc, bah. J'ai pas vu, hein. Je ne l'ai pas vue. Elle va passer bientôt son anniversaire. Ce serait pas mal de faire un petit, une petite fête, une petite fiesta pour son anniversaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on aura le temps de faire ça le lendemain? Parce que là, il est un peu tard, quoi. Et elle est très fatiguée. Et en plus, elle est malade. Elle va prendre son médicament. Elle va vendre un éditeur et ensuite elle ira seulement dormir après avoir été aux toilettes. Est-ce que les bambins vont bien? Toi tu commences à avoir faim par contre hein, mon petit. Donc tu vas aller prendre une portion. De toute façon en plus c'est dehors. Bah alors. Voilà, va prendre une portion. Réveille-toi. Est-ce qu'il peut demander ensuite à son frère de le nettoyer? Réconforté. Oh, ça c'est parce qu'il est angélique. Aide. Ben. Oh. Oh, ça c'est bien ça. Ça c'est bon ça. Et quant à son frère, comment est-ce que ça va? Va dormir toi. Va dormir. Je dois vraiment y aller. Ah mince, il est parti. Il pourra pas lui demander de l'aide pour le bain. Tant pis. Tant pis. Est-ce que... Bah toi, tiens, tu pas mal, non? On va le laisser. Hop. Hop. Et ici, donner un bain. Voilà. Donner un bain. On va recycler des assiettes pour se faire de l'argent. Ça, on va le ranger ici. Hop, encore un. Et je pense qu'on est bon niveau assiette. On est pas mal. Là, ensuite, tu vas essuyer ça. Tu vas aller toi-même aller au pipi room, prendre des restes. On est bien, mais là, ce serait pas mal quand même qu'on puisse rencontrer... attendez. Bonjour. Ah, c'est pas le... Si, c'est ouais, le vampire, le chef des vampires. J'étais là en mode de loin, je crois, j'ai cru que c'était limite un mime. Tellement le mec il est blanc. Je dis ça, mais moi je suis aussi blanche que lui en vrai. Mais tellement il était blanc de loin que j'ai cru que c'était un mime quoi. Tu sais, vous savez. Non, je sais, je suis nulle. Je suis nulle. Mais vous imaginez un bébé avec le chef des vampires? Non, en plus je crois qu'il est difficile. Il est difficile au niveau du caractère. Mais ce serait pas mauvaise idée de retomber enceinte. Et là, pour le moment, je ne vois que lui dans la rue. Ou que des femmes. Ah bah tiens, le monsieur là, Salim Ben Ali. On n'a jamais rien fait avec ce monsieur. Ah, c'est horrible de dire ça comme ça. Mais bah attends, on va discuter avec lui. On va essayer de faire une nouvelle rencontre. Hein. On va essayer de faire une nouvelle rencontre. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est fait pipi dessus, c'est ça? Tu dois vraiment faire pipi? Oui, t'inquiète. T'inquiète. Mais c'est pas un vampire?
pensez que c'est un vampire ou pas? Non, c'est pas un vampire. Mais qui se promènerait en pleine nuit? Personne se promène à cette heure-ci. C'est ça qui est louche, en fait. Personne ne se promène à cette heure-ci. Bref, bon, on va laisser faire... Alors, faut pas que je laisse partir, par contre. Faut pas que je laisse partir. Elle est tendue. Oui, en plus, t'es en mal d'amour. T'inquiète pas, je travaille là-dessus. On va travailler là-dessus. Flatter, partager des idées, demander comment s'est passée la journée, illuminer la journée. Il a l'air d'être open, hein. Complimenter la tenue. Pourquoi il est concentré? Une blague sur la mode. Embrasser les mains. On va tenter. C'est très rapide, mais on tente. On va tenter parce que là, en plus, elle est en mal d'amour. Je sens que. Ah, je pense... Non, je pensais que c'était bien parti. Mince, non, je suis désolée. Désolée, monsieur Salim. Partager ses incertitudes, du coup. Discuter de plats gastronomiques. Raconter des blagues autodénigrantes. Lol, comme ça, il va se sentir mal à l'aise en même temps qu'elle. Lol. Flatter. Allez, on peut le faire. Et pendant ce temps-là, on va quand même surveiller ici. Qu'est-ce qui se passe? T'as faim? Non, t'as pas faim, toi t'es bien, toi tu manges, ben en plus elle est inspirée, donc une grande toile abstraite, pourquoi pas, on revient ici, elle est juste à côté de la maison, faire connaissance, on peut y arriver. Imagine, il y a une bombasse qui passe en mode normal à côté, bonjour, je ne fais que te passer, ouais, casse-toi, c'est mon crush, c'est pas vrai, c'est un crush pour une nuit, mais c'est pas grave. Partager des idées. Non, te casse pas. C'était bon, c'était pas super bien parti, mais te casse pas. Non, je te lâcherai pas. C'est quand même une vipère, c'est une veuve noire. Non, t'en vas pas. Non. L'autre, il vient, et puis il comprend pas, mais qu'est-ce qu'elle veut à la fin, celle-là? S'enthousiasmer à propos des vampires. Mais c'est pas un vampire, on est d'accord. Il y a pas de dents de vampire en plus. Paresseux, ouais. Ok. Conversation profonde. Discuter deux techniques de danse. On retente offrir une rose ou pas? Elle est mieux, parce que tout à l'heure, elle était en mal d'amour, elle était dans le jaune. On va tenter, j'ai un petit peu peur. En général, offrir une rose, ça passe souvent. Ouais, c'est passé. C'est passé. Il est enjôleur, faut attaquer. Il est enjôleur, faut attaquer direct. Pour mettre de dédié un morceau, même si c'est pas vrai. Il est content. On va le draguer. Drague. Il est très enjôleur. Il va mourir d'enjôleur. Désolé, j'ai le nez qui me gratte. Ah. Non, ne t'en vas pas! Ne t'en vas pas! Il est plus enjôleur? Non, faut que. On peut pas aller déjà lui faire un. Non? Se tenir par la main. Envoie-lui un baiser. Envoie-lui ton plus beau baiser. Il est très enjôleur. Non, franchement, là, on peut faire quelque chose. Oui! On peut faire quelque chose, là. Technique de drague. Attendez, il avait demandé de passer du temps ensemble. Ouais, je pense qu'il est d'accord. Elle est enjôleuse, elle aussi. Poser une question risquée. C'est bon, on l'a dans la poche, les gars. Ok, je peux rester un peu. Draguer. Stabilité sentimentale. Faire garder l'émotion bien assise pendant 48 heures consécutives. Bon, on est bien. Premier baiser. Et ensuite, c'est le pieu. Après, c'est dans le lit. Après, c'est bon. Oui. Voilà, parfait. C'est le time du crac-crac, maintenant. Me faire crac-crac. Faire des bébés. Faire des babies. Ah, essayer de faire un bébé avec Salim. C'est parfait. Allez, viens. Viens, copain. Viens, on va aller faire crac-crac. Ah là là. Ah, ça... On s'en est super bien sorti. Et du coup, j'en ai oublié la famille. Elle a fini. Elle va vendre un collectionneur. Je vais encore faire genre de m'exciter alors que c'est un tableau tout simple. Et attendez, est-ce qu'elle doit s'occuper des bébés ou c'est bon les bébés?
Ben toi, tu vas aller dormir déjà. Tu vas arrêter de faire le pitre, le guignol dehors, hein. Mais sinon, les bébés, à part un qui a faim, mais du coup, elle peut faire une toile confiante. Et toi, bah, tu vas aller te prendre à manger. Fais surtout pas attention à ce qui se passe dans la chambre d'à côté. Par contre, ce serait dommage que tu te trompes de porte. Tu serais choqué à vie, mon petit. Et là, c'est parti pour le crac-crac. Crac-crac time. On va faire plusieurs fois crac-crac avec. Je sais pas pourquoi. J'ai l'intime. Depuis les Sims 3, l'intime conviction que quand tu fais crac-crac plusieurs fois avec le même bonhomme, que ce soit essayer de faire crac-crac pour faire un bébé ou essayer de faire d'abord faire un bébé, ensuite faire crac-crac tout court avec la même personne plusieurs fois d'affilée, j'ai l'impression que ça augmente les chances d'avoir des jumeaux, des triplés, etc. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que je fais ça fonctionne pas mal. Donc on va refaire crac-crac derrière tout ça. Faire crac-crac, non, on va faire essayer de faire un bébé. Et après, on va faire une fois crac-crac. On va quand même le ranger dans le frigo, pas que ça pourrisse pour rien, ce serait dommage. De toute façon, l'autre bébé, il est bien. Elle est partie dormir, on va essayer de dormir. On va éteindre ça, parce que à force de... Ça me pompait toute l'électricité, hein, finalement. Et une dernière fois, crac crac, cette fois-ci normalement. Faire crac crac avec Salim une dernière fois, t'inquiète pas. Après je te laisse tranquille Salim. Quoique Salim, peut-être que ça lui plaît. Bon là faut pas non plus déconner, c'est vrai que voilà, au bout de 3 fois dans la nuit, je pense que même un bonhomme, au bout d'un moment, il en a marre quoi. Je rêve ou elle pue? Ouais, elle pue. Clairement, elle pue. Je me disais bien que je voyais de la fumée verte sortir de lui. Oh mon dieu, elle est en train de se dire, mais je suis en train de coucher avec une poisseuse. Bon, allez, va prendre des restes ensuite et va prendre une bonne douche avant d'aller dormir. Voilà, c'est bon, ça suffit. Le crac-crac, je pense qu'elle a eu sa dose elle aussi. Hein. Alors attendez, il y a un bébé qui est très triste. Non, 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 la réveille pas, la réveille pas. On va juste dodo. Voilà, fais dodo, fais genre. Non, elle a réveillé! Pourquoi? Lire une histoire à Julien pour l'endormir. Vas-y, viens. Elle va te lire une histoire. Ensuite, tire à vendre ça. Et quant à toi. Allez, va prendre une douche. Va prendre une douche? Non? Pas qu'il y a un cirque célèbre. Non, ça m'intéresse pas. Et elle est confiante, donc elle va refaire une toile confiante. Bon, avant d'aller dodo, tu vas aller aux toilettes. Et tu iras dormir. Pierre a très faim. Non! Attendez, on va sortir. Ouvrir, ouvrir. Plus de choix. Ouvrir. Là, il en reste un. Donc, on va sortir ça. Et c'est qui a faim? C'est lui qui a faim. Il a très très faim. On va tout de suite manger. Au lieu de faire des bêtises. Et quant à son frère, bon, on va le réveiller pareil. Il va pareil, il va aller manger. Donc ça a déjà été entamé. Donc, je vais pas lui demander d'aller manger ça, mais. Voilà. Alors. Voilà. Allez, va manger toi aussi avec ton frère. Ouais, c'est bien parti. Ah, on va faire le test de grossesse pour que voilà, elle ait les bébés plus vite. Décrire encore plus la culture unique de cette ville. Il paraît qu'il y a un opéra ce soir vers 8 h. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait.
Je serai là, t'inquiète pas, faire un test de grossesse. Allez, réveille-toi, fais le test de grossesse avant de dormir. Normalement, là, techniquement, vu le nombre de fois qu'on a fait crac-crac, si elle a pas des quadruplés, je comprends pas. Ok, Angel est enceinte, une nouvelle personne va arriver dans ce foyer, c'est parfait, elle est enceinte et on va l'envoyer dormir. Bon, toi, tu vas faire ce que tu veux. Il est en train de danser devant la télé qui est éteinte. Danser, ouais, effectivement, je suis en train de me dire qu'est-ce qu'il fout. Mais il danse, pourquoi pas. Ah, il y a le frérot qui est venu. Ça, c'est super. Et toi, va vendre ça, parce que franchement, ces toiles commencent à bien rapporter. On a payé 100, donc en gros, on a fait 258 de bénéfices. Donc, refier une toile. Rapport de droit. Alors, les livres, c'est pas encore ça, mais la composition fait rapporter quand même pas mal. Oula, qu'est-ce que tu fais, toi? Il y a un bébé qui court dehors. Mais non, non, déjà, non. Non. Tu continues pas à mettre le bazar. Tu rentres à la maison tout de suite. Non mais lol. Et toi, attends. Non, non, pars pas. Pars pas. Mais pourquoi il pue? Il a pété ou il est en train de se chier dessus? Je ne sais pas. Ouais, il vient de se chier dessus. Tu peux demander... Voilà, un bain. Est-ce qu'il va le faire? Il va le faire? Il va rentrer et tout? Ouais! Ok! Nice! Lui, c'est bon. Elle, c'est bon. La maman, elle a encore besoin d'un petit peu de dormir. Mais dès qu'elle se réveille, on lui fera... Mais non, pas le piano. Écrire. Sinon, il y a une édition de la convention geek. Nope! Nope! Écrire un livre du genre pour changer, on va faire une nouvelle. Donc là, nope. Bon, écoute, réveille-toi, t'as assez dormi. Bah, elle est confiante. Donc profites-en. Pendant que t'es confiante, de continuer à faire une toile confiante, la dernière. Après, elle sera vraiment pas bien. Et toi, bah, elle est partie dormir. Ok, donc c'est bon. Toi, amuse-toi avec ton grand frère, tiens. Parler de princesse. J'ai hâte de savoir ce que ça va être, les bébés de la maman. J'ai hâte, hein, j'ai vraiment hâte. Là, les deux grandes, les femmes, sont occupées à faire gagner de l'argent. Mais là, on commence à avoir pas mal de Simfou. Je sais, la maison, elle est pas ouf. De faire un petit peu la tapisserie. Parce que là, vraiment, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. L'aspect de la maison, c'est pas ouf. Là, le gars, moitié carrelage, moitié machin, c'est moche. Va falloir changer tout ça. Parce que la maison en soi, elle est belle. Mais un peu mieux meublée, un peu mieux tout ça, ça sera déjà beaucoup mieux. Vous verrez. Faites-moi confiance. Quand t'as fini, tu vas aux toilettes et tu vas aller dormir. Voilà. Et quant à toi. Bon, elle a encore un petit peu le temps. Mais dès qu'elle a fini. Qu'est-ce que t'as, toi? Triste. Bah tiens, demande à aide pour le bain, tiens, voilà. Avant qu'il ne parte. Voilà, non, il se barre. Reviens. Non! Regardez, le gamin, il va aller au milieu de la rue. Non! Non, mais t'es sérieux? Mais c'est quoi ce bambin? Mais c'est quoi cette mère indigne? Vous imaginez en vrai le bambin? Non, je veux vraiment y aller. En gros, regardez! Regardez comment il est triste. Il est au milieu de la rue. Il est au milieu de la rue, il n'y a personne qui l'aide. Bon, ça va, il a pas l'air triste. Il est triste, mais il a pas l'air triste. Bon, reviens à la maison, parce que là, non. Ça ne va pas du tout. Reviens. Bah, va jouer. Je rêve où il y a de l'eau dans la baignoire. Ah ouais, il y a de l'eau dans... Elle est bouchée. Bain. Et si j'appuie sur bain? Ah non, 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 elle va demander, ok. Je pensais qu'il allait se prendre un bain tout seul, genre en mode il va rentrer dans le bain en solo et tout. Allez, va jouer, tu seras moins triste. Lycée. Alors toi, tu vas vendre un éditeur. Prendre des restes. Et écrire un livre du genre scénario, voilà. Ok.
Quant à toi, tu vendras un collectionneur. Le problème, c'est que la maman, elle est restée devant. Du coup, le bébé, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Très triste. C'est qui? C'est Julien. Dis, c'est une histoire à Julien pour l'endormir. Parce que ça va, l'autre, il fait du toboggan, il a oublié sa tristesse. Hein. Il a oublié clairement sa tristesse. Et prendre des restes. Ah, il est venu pour en profiter. Non, il dort direct. C'est dommage qu'on peut pas lire un livre à deux bambins en même temps. Ça, c'est dommage, vous trouvez pas? Genre, qu'il y aurait une fonction, lire un livre à tous les enfants, enfin, à tous les bambins. Comme ça, au moins, ça permettrait de... Bah, je pense que c'est logique, quoi. Enfin, je veux dire, bah, moi, j'ai déjà vu ça dans les films. Enfin, j'espère que ça se passe aussi dans la vraie vie, mais que les mamans, des fois, bah, mettent ses deux enfants au lit pour lire une histoire aux deux enfants qui dorment dans la même chambre. Voilà, ce serait pas mal comme idée. Bon, va dormir, profite-en. Quoique, elle est inspirée. Elle est inspirée. Et pendant qu'elle est inspirée, on va faire une toile surréaliste. Et après seulement, tire à dormir. L'exploitation à son sommet dans ce let's play. Là, va aux toilettes, ouais. Ah, elle a pas fini d'écrire. Bah écoute, va dormir aussi, hein. Voilà, comme ça, ça prendra... Mais arrêtez d'allumer la radio tout le temps. Ou éteignez-la au moins, que vous avez fini. Oh. Oh, c'est pas possible, ça. It's not possible, hein. Essaye, it's not possible. Mais je pense que, de toute manière, avec les bambins qui font les nouveaux bambins, alors je suis persuadée que c'est au moins minimum des jumeaux. J'espère que c'est des triplés. J'espère que c'est des triplés, mais au moins des jumeaux. Mais je dis... Ça m'étonnerait qu'ils naissent dans cet épisode-là. Ça va faire un peu tôt. Je pense que dans le prochain épisode, ils vont naître. Mais je dis... Ah, à très fin. Stop. Ça, c'est le moment où il faut ouvrir et espérer qu'il reste des choses à manger. Va prendre une portion. Toi aussi, va prendre une portion. Voilà. Heureusement qu'on peut sortir la bouffe du frigo comme ça. C'est vraiment une bonne technique. Hein. Sinon, ce serait un peu plus compliqué pour moi. Je vous avouerai que ce serait pas la même chose. Hein. C'est pas ouf, là. Les bénéfices sur ça, c'est pas ouf. Elle est confiante. La toile confiante, par contre, elle rapporte quand même bien. Quant à toi... Bah réveille-toi déjà, donne-lui un bain parce qu'il sent pas bon. Et là, on se fait des petits cas en simflouse. Toi t'es bien, bah écoute, va jouer, répare le truc. Ah il peut réparer? Attends, je vais demander de réparer, ce sera la punition. Le pire, c'est que je suis même pas sûre que c'est lui qui l'a cassé. Je ne me rappelle plus c'est lequel des deux qui a cassé la maison de poupée, là. Mais il peut réparer, genre, tout seul. Ah non, il a besoin d'aide. Oh bah, répare pas, tant pis. Ce sera pour une autre fois. Ah, il a grimpé et puis il reste en haut. Angèle vient de finir de peindre un chef-d'œuvre. Voilà, c'est chef-d'œuvre. Ah, pendant une galerie d'art. Piquet de sang, c'est une close. Ah, de l'argent. L'argent, toile confiante encore. Oui, yes. Ah, c'est trop bien. Elle va manger, elle s'est mangée. Bah toi, je sais pas. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oula. Oh, calme-toi, on va sauvegarder, il y a un bug. Oula, oula. Où tu te calmes? Où c'est quoi ce problème? Attends, on va changer. Oula! Oula! Et ça arrive qu'avec lui. Bon, on va le laisser dans son délire. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un énorme bug là. Je sais pas si vous avez remarqué en bas à gauche. Ça. Bah, de toute façon, attendez. Ah, lui aussi? On va laisser les bambins comme ça. Ouais, laisser les bambins comme ça, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est la première fois que ça m'arrive, c'est limite flippant. Mon jeu est hanté. Le jeu est hanté.
Ok, radio pété, comme j'ai dit, on va rien faire. C'est vrai que là, ça vaut quand même plus le coup de remplacer, parce que finalement, le réparateur, quand il vient, eh bien, il facture 100 simflous de base, plus des simflous de l'heure. Du coup, ça sert à rien de l'appeler, autant le changer, mais autant ne rien faire du tout, et attendre qu'une autre chose électronique se casse, comme la télé ou comme l'ordinateur, pour appeler le réparateur. Parce que c'est vrai que le changer, de toute façon, ils m'ont saoulé, ils arrêtaient pas d'écouter de la musique, ça va me faire... une grosse facture, mais voilà, les réparer soi-même, c'est pas envisageable non plus. De peur qu'on perde quelqu'un d'électrocution. Et toi, tu fais le bordel, c'est pas très gentil. Toi, tiens, tu vas aller réparer ça. Tu vas aller ranger ça. Tu vas aller faire un petit tour sur le trône. Et tu vas finir ton livre. Ah, j'ai hâte de savoir les bébés que ça va être. Hein. Oh, je sais pas vous, mais moi j'ai hâte. Écrire, reprendre l'écriture de Stevie à tout prix. Bon, je me foule pas au niveau des noms des livres dans ce challenge. Pas comme dans Wendy. Oh non, oh, foutu le bordel là. C'est pas possible ça. Mais cassez pas hein, l'arbre à jeu là. L'arbre à jeu. L'arbre à jeu, on va appeler ça l'arbre à jeu. Hein. C'est un arbre rageux là. Non, je déconne. Jeu de mots de merde, bonjour. Oui, va aux toilettes, c'est bien. Ensuite, prendre des... Ah, quoique, tu peux cuisiner, servir le petit déjeuner, des pancakes. Prendre un collectionneur, ranger. Et ensuite, on va l'envoyer parler avec quelqu'un pour le social. Est-ce que t'as besoin de social, toi? Non. En train de dormir. Bientôt... Oh. C'est ramené avec son gros ventre. Non, tu ne vas pas lire, tu vas vendre à un éditeur. Vous voyez, je peux toujours pas mettre de composition. Hein. Et tu vas écrire un livre du genre scénario, encore une fois. Voilà. Voilà, plus personne avec qui parler. Heureusement, il y a un adolescent. Présentation amicale, bonjour. Encore, s'il y a tout prix. Non, on va quand même changer. On va pas écrire deux fois le même livre. Ce serait... Rio... Le singe cryogénique. Oui. Oui, ne me demandez pas pourquoi. Ne me demandez absolument pas pourquoi. Je ne saurais pas quoi vous répondre. Je voulais un truc qui rimait, bah voilà. Voilà. Les rapports de droit nous ont rapporté un peu plus de 900 simflous. C'est bientôt l'anniversaire de Julien. Et le lendemain, du coup, ce sera l'anniversaire de son frère en même temps. Et on a quand même pas mal de simflous et je suis assez contente, du coup, par rapport à ça. Ouais, effectivement. Il y a de quoi être fière. Les pancakes, on va les ranger. Par contre, rentre peut-être là, parce que bon, en train de manger des pancakes. Oh non, t'es sérieux. Et pire, c'est que je peux même pas les bouger. Je peux même pas bouger l'assiette là, parce qu'elle est au milieu du trottoir. Bon, on va laisser ça à un passant, il ramassera et il lèchera l'assiette. Hein. Pas grave. C'est absolument pas grave. Et tu iras dormir. Voilà, voilà. J'ai le nez qui me gratouille. J'ai le nez qui me gratouille. Oups, excusez-moi. Heureux, je suis désolée, me revoilà. Petit coup de téléphone. Enfin bon, on est dans cette petite famille et écoutez, c'est pas fameux là. Elle a vraiment faim. Ok, on va l'envoyer toilette, prendre des restes. On aura besoin de divertissement un petit peu. Je dois vraiment y aller. Bah vas-y. Hein. Pourquoi un adolescent se balade avec des ailes? Pourquoi pas en même temps? Pourquoi pas? Finalement. Ensuite, vendre le singe cryonégie. J'espère qu'il va nous faire gagner beaucoup d'argent. Hein. Je me suis quand même concentrée pour écrire ce titre de livre. les enfants. Ouf, ouf, oulala.
Ouh loulou, ils ont faim, ils ont faim. Ouvrir, on va sortir ça. On va sortir les pancakes. Mais ils sont passés où les... Attends. J'ai sorti les pancakes, ils ont disparu. Lol. Je rêve, il y a un truc là. Mais c'est pas les pancakes. Il y avait une assiette dans le mur, mais c'était pas les pancakes. Oh non, sérieux, mes pancakes, ils ont disparu. Et j'ai les enfants qui ont la dalle à mort. Non, faut que tu te réveilles, meuf. Faut que tu te réveilles et faut que tu leur fasses à manger. Ça vient le déjeuner. Je suis désolée, hein. T'avais fait des très bonnes... Ça, du jardin, tiens, pour changer. D'ailleurs, ça... Enfin, peut-être qu'elle le vend. Hein. Les poissons, ils vont pourrir dans son inventaire. Quoique, ça pourrit pas, mais ça aurait pu. Ok. Et lequel des deux a le plus faim? Bah tiens, toi, tu vas aller manger ça. Des restes de restes, en fait. Ça, c'est clairement des restes de restes. Désolée hein, pour toi, hein, mais... Et bon, c'est en attendant qu'elle finisse le repas. Besoin de divertissement. Bah écoute, joue à Big Block. Déjà, va ici. Vas-y, va prendre une portion. Quant à toi, bah je pense que t'es encore là. Non, mais quoique, il a bien bouffé. En fait, il a bien bouffé, il a même pas besoin de manger encore. Avec le peu que je voyais qui restait sur l'assiette. Elle est où l'assiette? Elle est là. Genre pas. Ah, si, c'est bon. Avec le peu qui restait sur l'assiette, moi je me suis dit, ouais, il va encore avoir la dalle, quoi. Mais en fait, non. En fait, même pas. Tiens, elle est inspirée. Tiens, une toile pop art. Ensuite, bah, tu prendras une douche. Quant à toi, c'est bon, le divertissement. Tu vas écrire un livre du genre scénario. Encore, oui. Et ensuite, tu iras dormir. Souviens-toi, la pause déjeuner. Ça me fait penser à souviens-toi l'été dernier. Ok. Atteint le niveau 8 de la compétence peinture. Qu'est-ce qu'il a? Bon, il s'est fait pipi dessus. C'est pas grave, ce sont des choses qui ne peuvent pas aller être pour le pauvre. Bah non, bah fais-toi dessus. De toute façon, tu t'es déjà fait dessus. Julien a besoin de prendre un bain. Ok. Oh, ils font des câlins, ils sont mignons. Oh, c'est de la mignonnerie. Parce qu'ils sont mignons. Mais par contre, ce serait bien que tu donnes un bain à ton frère, mais habillé, quoi. Merci. Il était là en mode à poil, là. Trop bizarre. Toilette. Bon, pour 138 simclouses, hein, on va pas se fouler. Écoute, hop, et après, va dormir. Et quant aux deux frères, bah écoutez, hein, faites les petits cons, il n'y a pas de soucis, on vous dira rien. C'est vrai qu'au niveau des bébés, je crois que c'est les premiers qui font autant de bordel, c'est-à-dire autant de trucs par terre. C'est les premiers. T'as envie d'écrire tout un livre, le livre sera ajouté à son inventaire. Ok, bah dès qu'elle peut, on la réveille pour aller vendre un éditeur. Ouais, non, va d'abord aux toilettes. Va d'abord aux toilettes. Non, mais maintenant que t'étais devant la boîte aux lettres, t'aurais pu le faire, hein. Oh. Allez, prends des restes et va dormir. Elle fait dodo. Eh ben écoutez, sur cette jeune famille qui est en train de dormir... Je pense qu'on va pouvoir en finir là. Et en espérant que, du coup, elle accouchera dans le prochain épisode, j'espère. J'espère, parce que j'ai vraiment hâte. Elle a un gros ventre en plus. Si on vérifie, elle est au troisième trimestre, je suppose. Nausée matinale. Non, c'est pas ça que je voulais voir.
au deuxième trimestre. Le troisième dans 11 heures. Bon, il y a peut-être encore moyen. On a espoir donc que dans le prochain épisode, elle accouche. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Comme d'habitude, le mercredi et vendredi à 17h30. Ciao.